Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma présentation et de mon test des Fine Twin Markers. Je vous avais promis de faire une démonstration de chaque produit que j'ai acheté lors de mon dernier haul action, et bien la voici. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les points forts et faibles de ces marqueurs selon mon avis et mon expérience personnelle pour que chacun de vous puisse se faire sa propre opinion et voir si cela lui conviendra ou le tentera de les acquérir en fonction de ses besoins. Alors, les nouveaux Fine Twin Markers sont vraiment différents de leurs prédécesseurs. Ils ont une pointe pinceau et une pointe extra fine au lieu d'une pointe biseautée, ce qui est le cas pour les Twin Markers classiques. Comme vous pouvez le constater, ils ont une forme triangulaire et c'est plutôt un avantage car ça leur permet de ne pas rouler sur la table comme le font les marqueurs ronds. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est un détail important qui fait que ça ne vous pousse pas à bloquer vos marqueurs avec votre bras pendant que vous dessinez ou coloriez pour les empêcher de glisser et de tomber. Le capuchon se ferme bien et il est hermétique. Je trouve même qu'il est un peu difficile à retirer. J'aurais préféré que le capuchon puisse s'adapter, s'emboîter à l'extrémité du feutre pour éviter de le perdre, ce qui aurait été très pratique. Et toujours en ce qui concerne la fermeture du feutre avec le capuchon, étant donné que le feutre est fin, il est un peu difficile de le fermer sans glisser et se salir les doigts. Mais le fait que le feutre soit fin nous offre une bonne ergonomie et une bonne prise en main. C'est un avantage qui le rend plus facile à utiliser pour les détails très délicats et les petites zones à colorier ainsi que pour faire des dégradés. Alors concernant la gamme de couleurs des Fine Twin Markers, les Fine Twin Markers ou bien Fine Twin Markers, ça dépend comment on les prononce, nous présentent un grand choix de couleurs. Ils sont présentés par lot de 16 feutres avec des dérivés de couleurs vert, bleu, violet et rose. Vous pouvez donc facilement trouver vos couleurs préférées sans avoir à vous approvisionner en toutes les couleurs comme certaines marques vous y obligent. Ils sont vendus dans leur racle et donc emboîtables l'un sur l'autre. Mais pour une raison pratique, je vous conseille de les déboîter pour une question de commodité. Surtout si vous cherchez la référence d'une couleur, j'y reviendrai sur ce point un peu plus tard. Donc, ils sont également abordables en termes de prix, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont très connus, par rapport aux autres marques présentes sur le marché. Mais vous allez voir qu'il y a des avantages et des inconvénients dans tout ça. Alors lorsque vous utilisez des feutres à alcool, vous devez vous assurer que le papier que vous utilisez n'absorbera pas trop l'encre du marqueur. Si c'est le cas, le marqueur s'assèchera plus rapidement. Le papier Bristol et d'autres types de papier absorbent trop l'alcool de votre marqueur. J'ai fait mes échantillons de couleurs sur différents papiers, les verts et les bleus sur du papier d'imprimante à 80 g et les rouges, roses et violets sur du papier Bristol. Vous verrez que sur le papier d'imprimante, la feuille était imbibée d'encre, ce qui ne permettait pas une bonne gestion des traits, je veux dire des contours. Le papier Layout est le papier le plus recommandé et peut être utilisé. Il peut être, je veux dire, utilisé en toute sécurité avec ses marqueurs, mais il n'est pas souvent apprécié par certains artistes qui ne lui reprochent que d'être très fin et donc s'orientent vers le papier Bristol. Je ne vous cache pas que c'est aussi mon choix, c'est mon papier préféré pour une question de grammage tout simplement. Maintenant que nous avons parlé de leur aspect général, passons à l'aspect pratique. Je sais que c'est probablement la partie la plus importante pour vous, car vous voudriez les tester ou faire un swatch de couleurs pour découvrir chacune d'entre elles. Alors permettez-moi de vous prévenir d'un détail important avant de commencer. Comme tout le monde, vous sortez vos nouveaux marqueurs de la boîte et ils tombent et vous êtes, si vous êtes ordonné, vous allez essayer de les remettre à leur place selon l'ordre de leur référence indiquée sur l'emballage. Seulement, vous vous apercevez que, comme avec les paint markers, il n'y a aucune référence sur ces feutres-là, sur les fine twin markers. Alors que sur leur emballage, il y a bien marqué le nom et le numéro de chaque couleur. Je sais que c'est frustrant quand il n'y a pas ce détail qui est important pour nous envoyer à la couleur. Donc, mon seul conseil, c'est de les sortir de la boîte par le bas.
et de coller rapidement les étiquettes numérotées, je veux dire des étiquettes que vous allez numéroter sur chaque marqueur avant de les remettre ou de commencer à les utiliser. Alors, je vais continuer à énumérer les points faibles des fine-tune marqueurs. Les fine-tune marqueurs constituent un excellent choix pour toute personne qui veut s'initier au feutre à alcool sans devoir débourser une grosse somme d'argent. Mais comme la plupart des marqueurs bon marché, ils ont quelques inconvénients. Le plus gros problème est l'odeur. Les marqueurs sentent l'alcool plutôt une odeur d'alcool assez bizarre, ce qui peut être dérangeant si vous n'y êtes pas habitué. Cette odeur peut également vous donner des maux de tête, donc pensez à bien aérer votre espace de travail. Et c'est ce que je n'ai pas supporté, c'est cette odeur. Un autre point négatif est la pointe, du pinceau, qui n'est pas toujours bien pointue, je veux dire d'apparence régulière. Alors des fois elle est belle, elle est bien pointue, mais des fois vous avez l'embout de la pointe qui est écrasé ou il y a une sorte de boule comme ça à l'extrémité. Il serait en conséquence difficile de dessiner ou de colorier avec précision certains détails avec ces feutres. Certains feutres étaient aussi pas secs, mais je sentais qu'il n'y avait pas assez d'encre à l'intérieur du feutre. Et pourtant, les boîtes que j'ai achetées étaient vraiment bien fermées, mais bon, on ne sait jamais. Alors, il est aussi à retenir que les deux seules couleurs manquantes, en tout cas à mon avis, dans les sets que j'ai achetés, sont le rouge et le jaune. Pour moi, il n'y avait pas trop de jaune, d'ailleurs même pas. Et il y avait un ou deux rouges, mais pour moi, c'était pas des purs rouges, c'était des dérivés de roses, hein, des rouges qui tendaient vers des roses. Aussi, ces marqueurs à alcool bavent beaucoup et de ce fait transpercent le dessin sur l'autre face. Donc protégez votre dessin avec une feuille de plastique ou avec un carton ou une feuille épaisse. Donc ça dépend aussi du papier sur lequel vous allez colorier, mais la plupart du temps, j'ai aussi testé sur le papier Bristol, il bave. De plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais aimé avoir une numérotation sur chaque marqueur afin de pouvoir garder une trace de la couleur ou de la nuance de chaque marqueur sans avoir à regarder la boîte à chaque fois que nous avons à utiliser une des couleurs spécifiques. Donc voilà. Certaines personnes redoutent les marqueurs à alcool et donc n'osent pas les utiliser. L'avantage de colorier avec des marqueurs est que cela va beaucoup plus vite qu'avec des crayons de couleur. Voici donc quelques conseils d'utilisation. Si vous coloriez une grande surface avec une seule couleur, n'ayez qu'une seule direction. Ne coloriez pas dans tous les sens, car cela vous fera marquer des traces, des superpositions de couleurs et donc des zones sombres par endroits. Pour éviter cela et pour bien colorier avec les marqueurs à alcool, vous devez rester dans une seule direction, par exemple de haut en bas ou inversement. Ne faites surtout pas des croisements de traits. Aussi, si vous remplissez une grande surface, allez-y très lentement, car l'encre s'étale généreusement sur le papier, quelle que soit la marque ou le type de papier. Lorsque vous superposez plusieurs couches, vous obtenez une couleur sombre. Généralement, la limite du nombre de couches avec le feutre à alcool est de 3 couches. Donc, avec le même marqueur, vous pouvez obtenir 3 valeurs différentes grâce à la superposition des couches. Par contre, lorsque vous faites un dégradé, soyez plus rapide dans votre exécution, car l'alcool du feutre sèche vite et donc il est difficile de corriger les erreurs une fois ce point passé. Alors, je vais parler brièvement des dégradés. Les dégradés sont un aspect très important du coloriage car ils sont utilisés pour créer de la profondeur dans votre travail. Ils peuvent être utilisés pour créer des ombres et des lumières, pour vous ajouter un intérêt visuel à votre travail. Et donc, pour faire des dégradés, il va falloir respecter quelques petites règles. C'est pas très compliqué de réaliser des dégradés, mais à retenir que pour faire des dégradés, vous devez
toujours commencer par la couleur la plus foncée, généralement. Ça, c'est quand on utilise un feutre à alcool. Pour réaliser, par exemple, un dégradé à trois couleurs, avec deux couleurs éloignées, il est nécessaire d'avoir une couleur intermédiaire qui va créer la transition entre ces deux couleurs éloignées. La couleur de transition est à chaque fois la même couleur que celle qui n'est pas en dégradé, tandis que les deux autres couleurs sont toujours différentes. Elles ne se ressemblent pas. Donc si vous changez l'une de ces trois couleurs, vous devez également changer leur position respective dans le dégradé. Si vous êtes intéressé par le dégradé au feutre à alcool, faites-le moi savoir et je vous réaliserai une vidéo tutoriel concernant les dégradés au feutre à alcool. Donc je reviens toujours à ce point, comment colorier proprement au feutre à alcool en réalisant un joli dégradé par exemple. Déjà, je reviens sur le détail que j'ai dit tout à l'heure, ces feutres ne sont pas assez chargés. D'ailleurs, vous voyez, avec mon fond, j'ai essayé de créer une transition entre le bleu et le violet, et j'ai utilisé un violet pâle entre les deux, mais malheureusement, ce violet pâle était très sec. Et donc voilà, c'était un peu trop tard. Quand je l'ai utilisé, je ne savais pas faire marche arrière et j'ai dû un petit peu chipoter. Mais bon, l'avantage avec les feutres à alcool, c'est que vous pouvez retravailler par-dessus avec des crayons de couleur. Et c'est ce que je vais faire à la fin de la vidéo. Donc l'une des particularités connues du feutre à alcool est que l'encre s'évapore rapidement. L'encre du feutre s'évapore rapidement. Donc voici quelques conseils pour utiliser les marqueurs à alcool sans craindre les bavures ou des lignes ou contours flous. Donc, d'abord, vous devez savoir qu'il faut reboucher rapidement le marqueur pour ne pas vous retrouver dans la même galère dans laquelle je me suis retrouvée. Mais bon, moi, je ne l'avais pas laissé déboucher, je l'ai trouvé comme ça. Donc, vous rebouchez rapidement le marqueur pour que l'encre ne s'évapore rapidement et assèche votre mine. Veillez à bien refermer le capuchon pour le rendre hermétique. Soyez rapide dans l'exécution de votre coloriage pour éviter les temps de pause et que la couche sèche rapidement, ce qui sera difficile de flouter avec une couleur supplémentaire. Je veux dire, quand vous allez faire le floutage, la transition entre les deux couleurs, eh bien, si la couche a séché, c'est trop tard, vous ne saurez pas. Donc, n'utilisez pas un crayon graphite pour l'élaboration de votre dessin, pour votre esquisse, car il permet, le crayon graphite, au marqueur à alcool de faire des bavures généreuses sur le trait. Ça fait glisser l'encre et vous donnera, ça va vous donner des contours flous et disgracieux. Donc, utilisez plutôt un crayon sec pour dessiner votre dessin ou un liner imperméable ou ceux de chez Copic par exemple, ou des liners imperméables comme les waterproof de bonne qualité. Ces liners ne déteignent pas sur les autres couleurs lorsqu'ils sont utilisés par-dessus. Ils sont donc parfaits pour que les contours de vos crayons restent nets. Moi, j'ai utilisé le crayon de couleur. Donc, utilisez des marqueurs à alcool sur du papier spécial feutre à alcool qui n'absorbe pas trop d'encre et ne cause pas plus tard des problèmes de bavure au cas où vous voudriez ajouter d'autres couches à votre travail. Et généralement, ce sera le papier Layout ou bien le papier Bristol.
Voilà ce qu'il en est concernant cette vidéo sur les feutres à alcool de chez Action. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait. Ce sera votre belle façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire plus de vidéos. N'oubliez pas de télécharger votre kit de coloriage gratuit. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Il vous redirigera vers une page qui vous demandera d'enregistrer votre email pour recevoir 2 e-books sur le coloriage et un cours de plus d'1h25 ainsi que ma newsletter réservée aux abonnés de mon blog. Vous recevrez des bonus, des tutoriels, des conseils et des astuces exclusives. Tout est gratuit et sans aucun engagement. Vous trouverez tous les détails de la vidéo ainsi que le modèle du nuancier vierge à remplir si ça vous intéresse que j'ai réalisé moi-même pour mon swatch. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et cette petite réalisation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Merci.